Salut YouTube, c'est l'épisode 3 ou 4 de RE4, je crois que c'est l'épisode 4. On fait la suite. On a, je sais plus combien d'heures de jeu, sachez juste que le jeu il est trop bien comme d'hab, ça fait un moment que j'ai pas joué. C'est genre plus d'une semaine du coup maintenant. Oh putain. Et que je sais plus où on en est. Éloigne-toi, rapproche-toi, éloigne-toi, avec moi. Éloigne-toi, rapproche-toi. C'est une relation toxique entre elle et moi, je crois. C'est bon. D'accord, je m'éloigne. Éloigne-toi. Avec moi. Éloigne-toi, rapproche-toi. Ok. Ok. Bon. J'espère que vous êtes ready. Parce que ça va être la fête. Je sais plus où est-ce qu'on en était. Il y avait... Attendez. 1, 2, 3, 4... 8, 6, 5, c'est chiant d'aller chercher le 8. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, on va essayer de faire un truc logique. 4. Un, 5. Ah voilà, c'est ça. C'est que si j'appuie deux fois sur 1, je change parmi ça. Si j'appuie deux fois sur 2, je change sur ça. Et si j'appuie deux fois sur 4, je change parmi ça. Okay. Donc c'est bien fait. Alors, quel est notre objectif? Déjà, on va sortir et on va prendre ce qui nous manque là. Hop. Je sais plus ce qu'il fallait faire. Il fallait juste s'enfuir du village, c'est ça? Ok, c'est par là. Ah oui, il fallait qu'on revienne sur notre chemin pour aller chercher les pesetas. Est-ce qu'on fait ça en attendant? Est-ce qu'on peut le faire surtout? J'ai un doute. Hein. Coucou. Objectif, ne pas mourir. Oui, comme d'hab. Ah, mais non, on pouvait pas. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la fin? Vous voulez que je vous fasse un bref résumé pour ceux qui sont arrivés en retard, ceux qui se rappellent plus trop? Mais globalement, on s'est enfui de la maison là avec Michel Louis. Louis, il nous a dit bah en fait, on est infecté donc il faut qu'on trouve un remède. Et ensuite, il est parti voir Ada. Et. On a vu que Ada, en fait, il travaille avec lui, entre guillemets, pour je sais plus quoi, et voilà. Et c'est louche. Mais globalement, il faut qu'on trouve un antidote. Bon, on va bien, hein, on est là, hein. Ceci est un ordre provenant directement de Lord Saddler. Transformer la zone au-delà de... Transformer la zone au-delà de ce point en position défensive, de sorte qu'aucun intrus ne puisse passer. Je suis prêt à accomplir tous les sacrifices de pour la foi juste. Les fidèles croyants, construisez-moi une forteresse imprenable. Faites en sorte que tout païen assez fou pour s'aventurer dans ce domaine péché par le sang. Ah oui. Ça rigole pas. De la compagnie. Suis-moi sans faire aucun bruit. Okay. D'accord. Ok. Je vais essayer. Podéis correr, pero no os podéis esconder. Sé que estáis ahí. Ma fanté. Il m'a fait une on est sur le petit couteau. Là.
Il s'est mangé son piège. Bolos. Oh, on s'est fait. On passe au plan B. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Ok. Viens. D'accord. Oh putain. Ça commence bien. Mais meurs à un moment donné. Je peux pas taper. Ah bah d'accord. Faut se remettre dedans. Mais what the fuck, il mourrait pas. Premier shot que je mets, je tombe sur cette créature. C'est bon, on se remet dedans. En plus maintenant on n'est plus tout seul. On est accompagné. On a de la compagnie. Ouais mais c'est parce que t'as invoqué la malchance du streamer aussi. D'accord. C'est à cause de toi que je suis mort. Je vais essayer. C'est ta faute. Allez, viens. Descendre par là. Ah non. Merde. Mais sérieux. Tout va bien, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas suivi ce qui s'est passé. Reset de Zaz. Oh, let's go! Merci. Oh putain, j'ai pas mon. J'étais concentré. Ah non, mais depuis qu'il a une moto, c'est plus le même homme. On l'a vu la moto, hein. C'est plus le même homme, moi je vous le dis, hein. C'est un homme changé. Comment je fais? Ah, c'est pas avec ça. Allez, bah, ça! Qui c'est qui a lancé ça? Y'a un mec planqué quelque part que j'ai pas vu? Elle est où? Qui c'est qui me lance ça? Oh merde, j'ai oublié un truc en haut. Allez, bah, ça! Ah! C'est mon lapin stressé du train de la hype MDR. Il est incroyable! Allez là! Ok.
On a tout fouillé, on a tout récupéré, yes. Ah, pas là. Fusil à pompe. Putain, elle est essoufflée tout le temps, elle. Je vais te sortir. Rognas. Tu peux marcher? Oui, je crois. Tiens, c'est pris le piège à loup. J'ai pris des dégâts. Ah oui, je suis pas entièrement. Je suis pas humble là. On verra dès que ça ira un peu moins. Un peu dans le monde. Ah! La trousse pinette! Oh putain! Il était bon le Moscato? Tout seul là, en après-midi, un vendredi après-midi là. Bah tu m'étonnes, c'est sûrement pas tes filles qui ont déglingué la bouteille. Hein. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Mission. C'est bien calme. C'est beaucoup trop calme. J'aime pas très beaucoup ça. Hein. Alors cette porte est bien trop grande. Et il faut... Il va me falloir quelque chose. Oui, une grosse manivelle. J'ai loupé des trucs sur le chemin là? Non, j'ai pas l'impression. Ah si, j'ai loupé un trésor. Il est au-dessus, c'est ça? Je peux pas monter. C'est le truc au-dessus là? Ouais, donc faut que je monte. Donc c'est pas pour le moment. Non, des steich. Oups. Mais ça marche pas bien ce truc. Dégage. De tirer dans le mur.
Va pas bien, Léon. Là, y a rien de caché. De toute façon, la carte, elle dit... Ah, y a encore un... Y a un carreau à moi, là? Ah non, y a des carreaux derrière. Y a... Un carreau. Donc là, faut que je fasse le tour. Ah, il y a des munitions de fusil à pompe ici. De toute façon, quand ils donnent des munitions, il faut se dire, bon, bah, il y a du gros qui va arriver, quoi. Putain, elle fait du bruit quand elle court, elle. J'ai pris un coup, donc je vais utiliser ça. Est-ce que je peux fabriquer quelque chose de Saint-Patrick? Munition de fusil. J'en ai encore. Je peux faire des munitions de mitrailleuse. Ça peut être pas mal. Enfin, dit comme ça, ça sonne bien, tu vois. Reste ici. Quoi ? D'accord. Ah, elle peut se planquer! Ok! Ah, c'est stylé! On pouvait pas faire ça dans l'ancien jeu. Alors là, ça sent, je prends un truc et c'est le bordel, voilà. Oh non, pas le! Bordel! Ah non, je pensais que c'était autre chose. Reste ici. Ça marche. Ah, j'en ai plus. Oh putain, j'en ai plus. J'ai plus de mine. Oh putain! En arrière! Ok!
Voilà, allez vite, hein. Mais bute-le. Bah oui, je sais bien, mais... Je me suis fait surprendre. Faut pas non plus utiliser ses munitions n'importe comment. Faut... Tu vois, genre, face à un seul mec seul, tu utilises le flingue. Face à plusieurs, quand c'est la panique, tu utilises le fusil à pompe, ça déblaye. Tu vois, c'est ce genre de truc. Même à la visée, hein. Je crois même pas que t'es à la visée en fait. Tu peux pas viser. C'est forcément à la hanche. La hanche, la hanche. Cette référence. Merde, j'ai oublié le nom de personne. Hey, la hanche. Elle est trop bien. J'adore le modèle d'Ashley. Je veux dire, dans le RE4 de base, elle avait, elle était vraiment insupportable. Là, je trouve qu'elle a du flow, quoi. On dirait vraiment que c'est la fille du président. Non, c'est comment ça s'appelle? Merde, j'ai oublié le nom. C'est La ruée vers l'or. C'est un film que j'ai vu il y a pas très longtemps, parce qu'en fait c'est le film d'animation préféré de Sylvain. Et il me l'a fait regarder, en vrai oui c'est pas mal. Faudrait que je le revoie d'ailleurs. La hiche. Bon, tout va bien. Les mines en vrai c'est plutôt efficace, je trouve. Alors, munitions de mitrailleuse. Il y en avait là-bas, apparemment, oui. Et je crois que c'est tout. On peut aller à la porte. Non, c'est pas tout. Faut que je monte et que j'aille là-bas. Ok. Alors, le fait qu'elle puisse être cachée dans le truc là, c'est bien. Et pas bien en même temps, dans le sens où... Oh putain, il y a encore un truc en plus à l'étage. C'est bien et pas bien en même temps, parce qu'en fait ça... Ça veut dire que c'est un endroit où ça va être le bordel. Et surtout ça veut aussi... ça m'a permis... Enfin, c'est pas bien parce que tu sais que ça va être le bordel. Mais c'est bien parce que du coup j'ai plus trop eu à m'en préoccuper. Même si je sens qu'à un moment donné il y a des ennemis qui vont être un petit peu plus smart et qui vont fouiller. Notamment ceux qui la cherchent à elle. Ok. Mission de fusil. Nice. On est vraiment armé comme un truc de ouf. C'est-à-dire, c'est comme dans tous les RE. Hein. Au début, tu commences avec juste un flingue. Mais là, je veux dire, on est très vite armé, mais comme un enculé. Hein. L'armada, hein. Viens. Ok. Là-dedans. Cache-toi. Dedans. En vrai, les textures sont pas incroyables, mais je pense que c'est parce que j'ai activé... j'ai activé ça, je crois. Ouais, voilà. Comme ça, ça va être mieux. Là, c'est un peu plus beau, là. D'avoir un petit peu moins de FPS, mais c'est un peu plus beau. Armé mais avec un boulet. Comment ça un boulet? Je me défends bien, arrêtez. À quand le code Veronica X? Bah j'aimerais bien qu'en vrai il fasse code Veronica en remake. Hein. J'ai trop envie de rejouer Jill Valentine parce qu'elle est trop cool. Jill Valentine c'est un peu mon Léon féminin, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, dans RE tu me mets Jill Valentine et Léon, je suis heureux. Et bon bah ils ont essayé de faire ça avec le 6 où ils ont mis Chris, Léon, Ada et la totale, mais bon c'était pas ouf. Bah, j'ai plus de couteau, hein, c'est le bordel. Hein. Ah tu veux dire un boulet, tu veux dire avec Ashley? Ouais mais il faut bien qu'il y ait de l'enjeu. Laissez Ashley tranquille, elle est cool Ashley, je l'aime bien. Je suis sûr que vous allez la kiffer dans pas très longtemps. Je pensais que vous disiez boulet par rapport à moi. T'as rien? Non, ça va. Je crois.
Tu t'en es bien sorti tout à l'heure. On dirait que t'as l'habitude de fuir des tordus. Je dois prendre ça comme un compliment. C'est planqué direct. Oh non. Oh non. Je suis avec un fou. L'actrice qui a fait le modèle de Ashley, elle est sur les réseaux, elle est trop cool. En fait, elle est trop fan du personnage. Du coup, quand elle se voit sur une affiche, elle est trop cool, elle est trop contente. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Mais monte. Ça sent la merde. Le jeu est vraiment trop bien. Je suis à deux doigts de dire que il est même supérieur à RE2. Mais bon. Je vais pas dire, mais il y a un point commun entre RE2 et RE4. Je vous laisse essayer de le trouver, mais pour moi, il n'y a pas de doute que c'est lié à ça. Le jeu vraiment. Ah, je me rappelle. C'est bon, on y va. Ok. Ashley. Mais si, tu te rappelles de lui. C'est lui qui nous a infectés. Oh le bâtard! Viens, mon enfant. Ashley, cours! Oh! Vite! Ok! Inutile de fuir. Ashley! T'occupes pas d'eux! Oh merde! C'est dur. Je pensais qu'il fallait juste courir. Ok. S'il la chope, c'est fini. Mais si, lui, on l'a déjà vu, lui. Non, les one shot, d'accord. Ah, c'est dur. Oh merde. Y aller. Putain, c'est pas vrai.
J'y reviendrai. Je m'attendais à une séquence un peu plus longue, je suis limite un peu déçu. On est là mais on mange. Bon appétit, santé où? Bon appétit bien sûr. De toute façon, que vous soyez là ou pas, moi j'avance parce que le jeu il est trop bien. Écoute. Par contre, c'est vrai qu'il y a meilleur. Donc si jamais on le revoit, tu cours. Mais. Et toi? Je ferai ce que j'ai à faire. Oh, trop fort. Le mec prend toutes les responsabilités. J'allais dire, il y a mieux comme jeu pour manger devant, mais. No pasar! No pasar, Yamake. Bah en fait, ce personnage-là, j'ai oublié son nom, mais c'est un peu comme Mister X ou le Nemesis. C'est un personnage que tu n'affrontes que vers la fin. Tu sais, c'est un peu... c'est un peu, en fait, le Mister X ou le Nemesis de ce Resident Evil. Jette un œil. Quelque chose va forcément te plaire. Ouais, je vais essayer de regarder après. En quoi puis-je t'être utile? Calis! Tabarnak de Calis! Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Ok, alors. Trésor, c'est où? Bon, c'est. On va sortir. Ah, mais on peut pas sortir avec ça. Moi, je sortis avec ce que je peux. Hein. Comme tu voudras, et bienvenue. Ça fait. J'achète tout et n'importe quoi. Pas mal de pesetas. Je suis prêt à payer un bon prix pour ça. Acheter. Fusil anti-émeute. Alors ça, c'est l'équivalent du fusil à pompe, c'est ça? Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Ok. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réparer le coutal. Être méticuleux jusque dans les moindres détails. Le fusil à pompe, on a augmenté. Ça, on s'en fiche. On a augmenté en dégâts. Ça, on a augmenté en dégâts. Faudrait augmenter en dégâts le couteau aussi, je pense. Est-ce que ce sera tout? Qu'est-ce qu'il a à me vendre, à part un fusil à pompe anti-émeute? On le prend le fusil à pompe anti-émeute? Oh, ça t'en aura pour ton argent, je te le garantis. J'ai pas de place. Elle va... pas te faire tuer, hein? Calme-toi, calme-toi. En fait, je sais pas ce qu'il vaut en dégâts. Attendez. Ah. Là, j'ai de la place, non? Ah. Bienvenue. Ah, ça, c'est un sacré fusil, l'ami. Avec ça, tu vas réduire tes ennemis en bouillie. D'accord. Reviens. Au niveau examiné, alors. Puissance 640, capacité 7. Ok. Et lui, on en est en combien? 7,84, capacité 5. Ah ouais, il est mieux, je crois. Il est mieux, hein. Quand tu veux, surtout. Bienvenue. Du coup, on va vendre le fusil à pompe là. Trésor ou babiole étranger. Voilà. Oh, je suis prêt à payer une coquette. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Ah bah, tu m'étonnes, mon pote. Là, on est sur un tout autre calibre. Alors, tac, 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 tac. On va mettre les grenades ici.
Est-ce que je me crafterai pas... J'ai pas... En fait, j'ai pas besoin de crafter grand chose là. Qu'est-ce que je peux crafter? Des munitions de pistolet? Pas vraiment, hein. J'en ai largement. Ah, on va faire des mines adhésives. Voilà. Et là, on parle. Parce que les mines, c'est un sacré bordel. Va pas te faire tuer, hein? Oui, t'inquiète, ah. Michel. Et là, on est yambe. On va juste stocker ça. Si on meurt, ça sera ma faute. Mais l'esprit, logiquement, on en a pas besoin, si je me trompe pas. L'esprit, c'est ce qui réduit la note de votre sauvegarde. Donc, c'est juste à utiliser si vraiment ça va être le bordel. Logiquement, on peut s'en sortir sans. Allez, on continue. Oubliez pas de me rappeler quand il est presque 22h. Hein. Fais attention. Oh le bâtard! Oh tout puissant, donne-moi la force d'écraser tes ennemis. Putain de merde! Ashley, cours! D'accord! Hasta luego! Oh, t'es moche. On va jouer à ça. J'aurais dû me douter. Où est-ce que t'es moche? Ok, c'est dans... Ok. J'ai oublié de bind mon fusil à pompe. Attendez, je bind le fusil à pompe. Merde. Comment veux-tu être aussi stupide? Ok. Dimasia! Oh, ce qu'il est moche! Fuck, les claquettes pour toi, c'est fini, mon pote! Aïe! Bâtard. C'est pas évident, hein. Ah, j'ai rien pour me soigner en plus. Ça me fait toucher, je suis mort. Voilà.
Oups. En fait, je sais plus. Vous savez, la dernière fois, on avait eu un problème, c'est que je sais pas s'il y a une touche pour. Vous savez, faire un petit dash avant, genre une petite esquive. D'ailleurs, est-ce que je peux regarder ça avant d'y aller? Ça pourrait me permettre de. Parce que là, je pense même sans ça, on peut s'en sortir, mais au pire, c'est pas grave. Fais attention. Un insecte. J'aurais dû m'en douter. T'inquiète, pour toi, c'est fini, mon pote. Et c'est comme ça que ça marche. Il a vraiment dit, les claquettes, c'est fini pour toi. C'est vraiment un con. Oh merde. Aïe. Ah mais j'ai pas de soin. Bon appétit, hein. J'espère que vous mangez bien devant votre ordi là. Il a perdu son œil. Je bois un coup, hein. Vous m'excuserez. Un bon petit yaourt, ça. Attends! Attends, faut que je fouille! Hey, tu viens? Ah merde, d'accord, c'est par là. Attends, je drop, je loot! Salut ton dieu de ma part. Attends, je loot! Léo, vite! Oh, j'ai chopé du stuff T3 là. Attirer leur attention. Restons pas là. Léon, je vais pas devenir comme eux, hein. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Je te le promets. Oui. C'est un homme de parole. On a plus une munition de fusil à pompe. Ça, c'est bon. On a oublié des munitions là. On a bien des munitions là! Je suis trop con! Tant pis. Pire, je peux. Ah non, je peux pas m'en crafter. C'est par là, hein? Oui. On y va. Ok. Suis-moi. Ah, le château! Alors, oui, du coup, on l'a tué dès maintenant, mais je crois que. Logique, on va le revoir, ce mec-là. Parce qu'il me semble que dans les RE.
Ils aiment bien faire croire qu'il est mort, tu vois, et en fait il revient. Tant qu'il ressemble pas à de la purée rouge, il est encore vivant, quoi. Donc pour moi, il reviendra. Puis j'ai souvenir que c'est le cas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça se ferme. C'est con ou quoi, Ashley? Bon. Au moins, on est sûr de pas être suivi. Allez, en route. En route! Chapitre Termin. Et ben voilà. Voilà, c'est Louis, toujours dans le coin. Je voulais rentrer, mais Ashley tenait absolument à visiter ce château. Tant mieux, parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médoc qui ralentira la progression de votre problème. Où est-ce qu'on va? Eh bien, disons la cour intérieure du château. On se voit là-bas. Ciao. Oh, tu peux pas faire ta blague, Wally. Okay, parce que c'est pas... Oui, ça dit que... Je sais. Tu penses qu'on va y aller? C'est pas... C'était pas le... Notre interlocuteur habituel. Voilà, et là on change un peu d'ambiance, on va arriver dans un château. Et en vrai, ça a la putain de classe. J'ai de nouveaux articles étrangers, tu m'en diras des nouvelles. Salut mec. Bienvenue, j'ai quelque chose de nouveau pour toi. On s'est croisé il y a vraiment pas longtemps. Oh! Oh à putain, quoi le tu bâtard. Tiens le plus, à ton argent ou à la vie? Le choix est vite fait, l'ami. Il fait de base 1,40. Là. Le black tail, il est fort. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Si je vends mon flingue, ça fait 34 000. Et là actuellement il fait 3,90 en dégâts, lui il fait 3,30, il fera moins de dégâts, mais... Pourquoi pire, je vais pas le essayer une nouvelle arme étrangère? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Trésor ou battre. Ah, je suis prêt à payer un bon prix pour ça. Fais-nous signe quand t'auras fait de la place. Ça prend un peu plus de place, mais... Alors ça, du coup, ça s'adapte pas, je crois. Cette arme peut faire exploser des têtes comme des pastèques. Tu vas faire un massacre avec ça. Le magnum, ça peut être pas mal pour Est-ce le boss que de fin. Tu reviens quand... Ça, du coup, il s'équipe pas, c'est ça? Ah si. Du coup, il est un petit peu moins long, le Sprit Gun. Il est un peu moins long. On va ranger comme ça. Tu veux, bienvenue. Et une amélioration de... Non. Ok. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le choix est vite fait, l'ami. Oh, le lance-roquette, il va vraiment falloir qu'on se l'achète à un moment donné. Hein. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. J'ai plein de choses une autre fois, peut-être. Bienvenue. Qu'est-ce que ça a changé? Ça peut être pas mal. On adore nos herbes, ça oui. Guérir un homme, tuer un homme, elles peuvent tout faire. La prochaine fois, achète quelque chose. Bah, c'est bon. Hein. Faut partir avec ça, je pense. En vrai, je pense que la logique voudrait qu'on mette ça comme ça.
qu'on mette nos munitions comme ça. Qu'on mette nos grenades par ici éventuellement. Voilà. T'es encore en just chatting. Oh, merci de me le dire. Putain, j'oublie trop souvent. Parce que du coup, ça me les compte mal après quand je vais voir mes résumés. Vous savez que la moitié du live play qu'on a fait sur Zelda, on l'a fait en just chatting. En fait, je pense que au lieu de me mettre en just chatting en démarrage de stream, je vais me mettre directement sur le jeu maintenant parce que comme ça, ça me comptera les heures de jeu correctement. Est-ce que j'ai sauvegardé ? Non. Ok. Alors je suis désolé, mais à partir de ce moment-là, le jeu va être un petit peu sombre. Si vous voulez que j'augmente la luminosité, faudra me le dire. Ça va les chevilles, comment ça? J'ai une moto de qualité. Bah en vrai oui, c'est le genre de truc que j'attends de toi, que tu me préviennes quand j'oublie quelque chose, tu vois. Il faut que je puisse moins passer de temps à préparer mes streams et pouvoir me compter sur toi, tu vois. Ça c'est bien. Là on est sur une interaction positive. Là tu mérites salaire. T'as oublié de te coiffer, ça marche. Ça je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, si tu veux. Alors là il y a Jean Mich. La cour doit être derrière cette porte. Pas sûr que nos hôtes déroulent le tapis rouge. Ben, c'est de mieux en mieux. Après, il n'y a plus grand chose à coiffer. Hein, pour être avec vous. Mais de toute façon, là, même décoiffé, je suis mieux coiffé que quand j'avais les cheveux longs. Parce que c'était vraiment un bordel. On s'est pas revu RL depuis que je me suis fait couper les cheveux, Margot. Bah la dernière fois t'es venu chercher ta fille et tu... T'es même pas venu me voir. J'étais occupé. Je t'évite pas hein. Oh merde. Ah oui mais c'est à partir de maintenant qu'on va avoir des nouveaux monstres relous. Qu'est-ce que j'ai dit? Passer sous les ennemis suspendus à vos risques et périls. Ah merde, on arrive à ce moment-là du jeu où tu peux te faire one shot. Okay.
couteau de botte. Eh oui, c'est ça va être tout d'un coup là, ça va être chelou hein, moi je vous le dis. On vient d'où là? On vient de là-bas. Profitons de... Profitons de ces décors magnifiques. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein, il va y avoir des délires. Muerte! Allez, plus vite que ça! Dit qu'il y aurait des humains. Non mais c'est, je veux dire, c'est pas des zombies, c'est des humains ils sont pas bien quoi. Mais là tu vois c'est des prêtres qui se battent avec des arbalètes. Ça m'a fait peur. Ah mais c'est maintenant là les catapultes. Oui c'est maintenant. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises! Dégage! Je m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux! Alors les catapultes. Ashley, est-ce que ça va? Ouais, merci. De tête. Merde, c'est fermé. Il va falloir qu'on improvise. De tête, les catapultes. Comment ça marche déjà? Ah oui. C'est bon, je me rappelle. High kick de flingue. Alors. Non, je peux pas y accéder là. Oh, salut toi. Classe. Aïe. Faut bouger. Alors vous allez voir. Vous allez voir. Là on arrive à un moment du jeu où c'est le bordel, d'accord. Mais vous allez voir les idées qu'ils ont eues pour R4. Je me suis dit mais franchement vous avez pété un câble. Alors, comment dire ?
salopard. Ouais, t'attendras deux secondes, Ashley. Hein. Mais tu t'es mis dans le passage aussi. Ça va? Ouais. Dépêche-toi, parce qu'ils vont tirer. Ramène ton cul. Ah merde, je vais mourir. À cause de cette grognasse. Il a fallu qu'elle se mette dans le chemin. En fait, j'aurais dû attendre qu'il tire encore sur elle et... Et c'était bon. Ah merde, on reprend là, là, vraiment. Ah non, 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 non. T'es blessé? Non, ça va. Le problème, c'est que j'ai pas de quoi me soigner. Aussi chaleureux. La robe. Hey, mais tu vas la lâcher, oui. T'es blessé? Ça va, merci. Attends, on va faire tout le chemin. Merde, c'est fermé. Et j'ai déjà pris un coup dans la gueule. Alors. Ah voilà, herbe verte, ça c'est cool. Parce que du coup on peut faire ça. Et on peut se soigner. Je crois que j'en ai plus. Alors toi. Hop. Merci. Ah non! Ah oui, il faut faire le tour. Du coup. Merde. Éloigne-toi. Attends. Joli. Merci. Ça pourrait le faire. Elle force, hein. Franchement, elle force, hein. Bah ouais, mais tu attendras. Attends que je remonte. Je suis désolé, hein. Elle est là. j'attends qu'il tire. Voilà. Et viens là. Viens là. De salaud. Tac. On va refabriquer un truc. Hein, désolé, j'ai pas envie de mourir. Ça va être chaud. Tu m'étonnes. Ah.
Bon, et ben, ça a marché. Voilà. Viens la prochaine fois. Logiquement, on est bueno. Alors, il me semble qu'il me manque des médaillons. Bon, il y en avait un ici. Il y en avait un là-haut. Il doit me manquer un en bas, je pense. Ah. Pour le fun. Ça fait zizir. Ah, voilà. Ok, tout va bien. Ok. Trop fort. Il en manque un cadre. Il en manque un, c'est encore. Elle fait du bien l'ego, Ashley. Heureusement qu'elle est là, hein. Si je comptais sur mon chat pour me féliciter, Ah putain, elle serait pas sortie de la berge, hein. Merde. On y va. Compris. Il est où le dernier médaillon? Ah, vous êtes en même temps sur Zelda. Comment on fait du coup pour regarder le truc? Pour regarder le stream et jouer à Zelda. Je crois qu'il y en a en dessous que j'ai pas vu, hein. Il y en a avoir un ici. Non, je l'ai eu lui qui était en bas, je crois. Non, bon sang, il a sauté. Il doit y avoir un médaillon dans les parages. Peut-être qu'il y a un médaillon chopable depuis tout en bas. Moi je te regarde et je donne des indications à Guillaume qui prend un malin plaisir à jouer à ma place pour le coup. Pourquoi il joue à ta place? Vous faites pas du... vous passez pas la manette de temps en temps? Ah, c'est comme ça que j'aurais pu casser les catapultes, je suis con. Fallait que je touche les barils, mais je pensais que... Ah voilà, je pensais que c'était genre comme ça. C'est-à-dire qu'on avait les... Voilà. Mais en fait, il y avait le canon. D'accord. Après, si tu veux jouer, joue. Tu peux me suivre en parallèle, hein. Ou Guillaume, il te dit ce qui se passe sur mon stream en même temps. C'est chill, Zelda, comme on dit. Il va me manquer encore un médaillon et ça va me casser les couilles. En plus, elle est essoufflée dès qu'elle fait 2 mètres, là. Vu ! Ouh ! Ouais, je sais pas, j'ai pas... Ouh, vu! À droite du canon. À l'extérieur? Dans les mortuaires. Attends. Ah non. D'accord, ok. Vu! Vu, mordu. Il y en avait un ici. Il y en avait un là-bas. Putain, elle est essoufflée tout le temps, elle. Il faut faire du sport, hein. Faire du sport, madame. Je pense savoir où est-ce qu'on va aller checker. En fait, de tête, j'aurais dit qu'il y en avait un ici, tu vois. Mais... Un par là, peut-être ?
Ou un dans ce chat. Ah, peut-être qu'à partir de que ici ça compte aussi. Hein. Il doit peut-être y en avoir un. Ouais, je pense que c'est plus de l'autre côté. Hein. Ouais, ça me paraît beaucoup. Peut-être par ici. Genre on a vraiment fait tout le chemin inverse. Hein. Mais j'ai des doutes. De la qualité, hein. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux lui échanger la carte, mais j'ai pas assez. J'ai pas assez. Voir les requêtes. Comment ça, échec? J'ai bien que quelqu'un nous débarrasse de ce chien sauvage qui rôde autour du village. Ah, c'est parce que on peut plus retourner au village, c'est ça? En quoi? Après, là, j'ai pas eu la requête, je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle n'est pas censée être dans le coin. Bon, on va pas rester 10 ans là-dessus, on va quand même avancer, mais... En vrai, on avance plutôt bien aujourd'hui, je trouve. Ah, lui, il est vraiment moche, hein. Ceux-là, ils sont... Ils font mal au fion. Attendez, je me gratte. Vous allez regarder avec moi le PlayStation Showcase? Parce qu'en vrai, il y a moyen qu'il y ait des trucs sympathiques, hein. Moi j'aime bien de toute façon les annonces de jeux. De toute façon les annonces de jeux et les présentations comme ça, c'est des trucs que j'adore. C'est à 22h. C'est pour ça que je vous ai dit de me dire, si je, vraiment j'oublie, de me dire genre 5-10 minutes avant, avant 22h, de me prévenir. Mais écoutez, je sais pas. Voilà. Bon, au pire, Zazie, tu t'endormiras devant, au pire, c'est pas très grave. Attendez, parce qu'on a fait ce chemin-là. Au pire, vous savez quoi, on va avancer. Hein. Est-ce que par hasard, le truc il serait pas à l'intérieur, là? Détruire les médaillons bleus. Zone porte du château. Ouais, c'est ici. Alors, on va aller à cette porte-là après. Vas-y, il manque juste un médaillon. Ça me saoule. Je vais pleurer. Trop triste là. Hein. C'est trop triste, je trouve pas. Je suis sûr, il est dans un endroit à la con.
Il y en avait un qui était ici. Donc la logique veut qu'il y en a plus trop dans cette zone là. Qu'il y en a un qui devrait éventuellement, genre... Il n'y avait pas un par ici. Parce qu'il y en a eu, il y en a eu un là. Oh putain, on le voit, il est là. Il est indiqué sur la carte. Il est indiqué sur la carte. Ah, il est à l'extérieur de la map. D'accord. J'ai essayé de... J'ai eu un petit peu cette logique tout à l'heure, mais j'ai pas regardé au bon endroit, je pense. Je peux la voir de là-bas, je pense. Non. Il est dessus le truc, c'est ça? Ou alors il est plus bas? Faut descendre. Ah, il est là. Oh putain, les bâtards. Oh les bâtards. Salut Zula! Thor est là. Regardez-moi comment ce jeu, il est beau. Elle pense la même chose que moi. Ah, j'ai pas fait LV2 allemand malheureusement. D'ailleurs, j'ai pas fait LV2 tout court en fait. Maintenant que j'y pense. Tu t'es occupé d'une requête, n'est-ce pas? Le marchand, il est partout. Pas mal du tout, l'ami. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais bien avoir le viseur laser. On adore nos herbes, ça oui. Guérir un homme, tuer un homme. Elles peuvent tout faire. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer. C'est du bon travail. Va pas... Arrête de dire 10 000 choses en même temps, mec. Tu... Faites-moi de la langue. Je vais te faire du mal. Faire tuer... Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Le vendeur, il est partout. Une affaire bien conclue. Reviens quand tu veux, surtout. Ouais, de toute façon, j'ai pas grand chose à faire de plus. Je pense qu'on va sauvegarder, on va continuer. Comme vous êtes tout à l'heure, on avance plutôt bien aujourd'hui. Par contre, je vais me redresser parce que je sens que. Que en mettant en mode crevette dans mon fauteuil, ça va mal se passer. Il force à la consommation, exactement. C'est un peu Marcus dans Borderlands. Mes merveilleux flingues. C'est maintenant. Soyez c'est maintenant. Bienvenue. Dans mon château, c'est un plaisir de faire enfin votre connaissance, Monsieur Kennedy. Ok, vous êtes qui, au juste? Moi, je vous en prie, appelez-moi Ramon. Et permettez-moi d'aller droit au but. J'aimerais que vous me remettiez cette demoiselle sans discuter. Maintenant. Ça risque pas, Ramon. Cette demoiselle... Reste avec moi. Monsieur Kennedy. Monsieur Kennedy. Comme c'est noble. Néanmoins, voyez-vous, nous avons besoin d'elle. Avec cette jeune fille comme source, les États-Unis, que dis-je, le monde entier sera inondé par sa grâce. Car telle est la volonté de mon maître. Sa sainteté... Lord Sadler. Alors, vous allez obéir, n'est-ce pas? Jamais! C'est pas moi qui l'ai dit.
Comme c'est regrettable. Et c'est pas moi, Kennedy. Faites que notre invité se sente chez lui maintenant qu'il a choisi la mort. Alors que si, c'est lui, Kennedy. Ramonne-moi le cul. Il était mieux dans le jeu original. Je trouve qu'il avait plus une gueule de tata claque. Ok, c'est parti, qu'on s'amuse. Ça marche. Alors. Boum. Toi, tu... Ah. Touche à ton cul. J'ai plus de soins, déjà. Allez, appuie. Oh putain, je fais n'importe quoi. Alors, attendez. 7, 7, 3, 3. G. Oh putain. Voilà. Eh, hey, il a dû découper son pote, là. Et puis lui, il me sent pas bien. Écoute, non, c'est toi. Ça va aller. Il faut qu'on continue. Kennedy qui croyait prendre. Incroyable. Barre d'or. Non mais oui, non mais des fois elle a... D'ailleurs elle fait quoi? Elle se cache là? Comment ça se passe? Ok. On peut pas trop demander à l'IA. Hein. Ah, c'est fermé. Ouais, elle est à l'étage. Ah, j'avais pas vu. Tant pis. Bon, un cube. Faut mettre le cube dans le cube. Vas-y, dis-le. Ah bah bravo. Ok, ah ouais, ça va être un petit peu le hub ici, ça. De l'autre côté. Eh, il y a la cave là, il y a la cave du tueur de DBD. Ah bah voilà, l'herbe jaune, ça tombe bien, on peut pas la bouffer. Niveau mune, c'est plutôt bien, on a plus de mune, on va faire des mines de fusil à pompe. Faire des mines de fusil à pompe. On avait dit. Attendez, comment on avait dit? Comme on avait dit. On avait dit qu'on ferait comme ça. On avait dit qu'on ferait comme si. Ok, hop. J'y ai même pas pensé. Fermé. Il doit sûrement y avoir un autre accès vers la cour. Oui. Alors là par contre si la porte est déverrouillée. Non. J'allais dire le jeu est mal fait mais. Par où qu'on passe? On va regarder la minimap. Alors là il y a un trésor. Ah il y a un trou dans le mur ici. Ah mais oui, je suis con. J'avais oublié ce détail. Bien. Ok. J'avais oublié qu'elle était là, elle. Je compte sur toi. Bonjour. On va pas te faire du mal, hein. Ok. Ok. Bien joué. Ça va, Naps? Ok. Putain, ça a bugué. Ok. Ma soundboard elle bug. Y a un passage de l'autre côté ici. Un flacon de parfum chic. Attends, on est un peu des cambrioleurs hein, quand on réfléchit. Hein.
Allez, c'est parti. C'est bien ce que je pensais. Hop là. On doit sans doute pouvoir continuer par là. Sois prudent. Oh non. Oh, j'ai des flashbacks du jeu à chaque fois que j'arrive dans certaines zones. C'est pas ici qu'il y a les régénérateurs, là, les... je sais plus comment ils s'appellent. J'ai des mauvais souvenirs. Ah. J'ai de nouveau été réveillé au beau milieu de la nuit par ces bruits effroyables provenant du sous-sol. Les bruits des griffes contre les murs de pierre accompagnés de grognements glaçants. Cet homme nourrit une telle haine qu'il pourrait détruire le monde. Il servait autrefois le seigneur du château en tant que bourreau, tout comme son père et son grand-père avant lui. C'est l'un des héritages les moins prestigieux de la famille Salazar. Oui, parce qu'il s'appelle Ramon Salazar. Même au sein de la famille, il était différent. Il aimait sincèrement son travail et le faisait bien. Il était doué pour torturer les autres. Son habileté ne tarda pas à attirer l'attention du maître, et lorsqu'il la mena dans les cachots... Non, je peux pas écrire cela, c'est au-dessus de mes forces. Je refuse de me rappeler ce qui s'est passé là-bas. Il en va de ma santé mentale, de ma santé mentale même, comme on dit. J'ai reçu l'ordre de m'occuper de lui, je dois le nourrir et nettoyer la crasse tout en écoutant cette voix sordide chaque nuit. Je n'en peux plus, j'en ai assez, je ne peux plus tolérer une nuit de plus dans ce château. Je partirai demain aussi loin qu'il le faudra pour ne plus entendre cette voix. Bordel. Le pauvre. C'est pas une belle mort. Tu m'étonnes. Ouais. Alors à partir de là, je me rappelle un peu moins du jeu, pour être honnête avec vous. Donc j'ai dû me faire surprendre. Mais globalement, j'ai des souvenirs que le boss qui arrive là, il est pas coolos. D'ailleurs, j'ai pas de soins, donc... C'était quoi? Il y a des animaux ici? On va casser le mur. Presque. Ah oui, je me rappelle de lui, au secours, non. Ah, il a accroché, je crois. C'était easy, mais parce que je me suis rappelé
Je me suis rappelé de... Bon, après, Léon l'a dit, mais c'est vrai qu'il est aveugle. Il faut faire du bruit, il faut qu'il fasse... faut le retourner et tirer dans le dos. Un peu comme le géant qu'on a tué la dernière fois. Il demande pas énormément de... Enfin, si vous avez les munitions de sniper, ça passe super vite, comme vous avez pu voir. Là, pour le coup, c'était assez easy, mais... En fait, ce qui est horrible, c'est que je crois qu'on en reverra des comme ça. Mais... Comme dans beaucoup de jeux, c'est quand il y a beaucoup de mobs en même temps, en fait. Que ça devient difficile. Donc, pour le coup, on a Detsa, comme on dit. J'ai Detsa Chacal. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, j'ai oublié les munitions. Et donc je tourne dans le cachot. La 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 la. Tourne dans le cachot. La 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 la. Il est où le munition? Ah, c'était ici. Ah oui, c'est ça. J'ai oublié ce détail. Putain. J'en oublie les... J'oublie le principal loot du jeu, c'est les vases et autres trucs dans les châteaux. Parce que dans les châteaux, il n'y a plus trop les caisses. Il y a surtout ça. Ashley! Ça va aller, ma biche? Papa est là. C'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé en bas? Vos papiers d'identité. Ah, mais t'avais raison pour les animaux. Vos papiers. Papiers d'identité et papiers du véhicule, s'il vous plaît. Vous êtes louche. Tire la langue. Ah. Alors. On a la clé. Yes, I. Hop là. Couteau de botte. Je vais mettre mes coutales ici. Non, je vais mettre d'abord mes grenades. J'oublie de les utiliser, mais... Les grenades aveuglantes sont bien quand il y a beaucoup d'ennemis, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Faut pouvoir les tuer un par un après, en tuer un ou deux aveuglés. Oula, elle commence à tousser. Tout va bien. T'es fait tester? Du moins, pour l'instant. Il est où? Il est où le bidule là? Ouais, il est où le bidule? Ah, il est là. Me parle. Wow. YouTube. Vise un peu tout ça. Vise un peu cette merde. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh boy, yang yang. Mm.
Donc là, on a la girafe, on a le serping et l'oiseau. Ah non, c'est pas l'oiseau. C'est la salle des énigmes. Alors, l'épée. Épée de fer. Voilà, on peut la mettre ici. Voilà. Sauf que, comme vous pouvez le voir, on peut la mettre aussi à d'autres endroits. Là, on a une épée rouillée. Là, on a une épée dorée. Voilà, on a les quatre trucs. Il faut les remettre dans le bon ordre. En vrai, c'est ultra simple. D'accord? Parce que là, on a l'épée dorée. Et c'est logique. Là, on a l'épée rouillée. C'est tout à fait logique. Et là, on a l'épée de fer. Qui est tout à fait logique. Ou alors, je me suis gouré. J'ai oublié d'en mettre une. Elle est où, mon épée Ah non, il manque une épée. Attendez. Oui, il faut que je trouve la dernière épée. Il y en a 4 avant de faire cette réflexion-là. Et je crois que la dernière, faut que je la trouve avec l'énigme là, c'est ça? Ah oui, elle est là. C'est l'épée ensanglantée. Alors attendez, je sais plus c'est quoi la logique. Je crois que c'est l'épée dorée, l'épée de fer, l'épée ensanglantée et l'épée rouillée. La logique en vrai, elle est assez simple, mais je sais plus c'est comment on règle ça. Oiseau, cerf-balance, serpingue. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que la logique était tout pété, mais la logique était pas terrible. Certainement pas à combattre. Enfin, genre là, j'ai rien vraiment vu énigme plus simple, ou alors j'ai pas compris le délire. Mais... Donc, c'est épée de fer, épée dorée, épée ensanglantée et épée rouge. Mais bon, pour le coup, il fallait pas... Enfin, je veux dire, 2 QI, t'aurais pu le faire aussi. C'est pas le truc le plus dur du monde non plus. En or, en mithril. Là, du coup, on se retrouve ici. Attends, c'est la même pièce que tout à l'heure, non? On a dû tourner en rond. Allez dans la cour. Pour ouvrir la porte, est-ce qu'il faut que je fasse comme tout à l'heure? Il faut que je fasse J'ai bien compris. Ah non, c'est là. Faut que je trouve le serpent.
peut descendre et monter comme on le souhaite. Mais qu'est-ce qui te prend ? Surtout, essaye pas de faire ce que je fais ! Moi ? Ça risque pas ! Non, c'est pas ça que je cherche. Je vais casser tous les pots. Ça va pas ou quoi ? Sauter sur des chandeliers. C'est quoi cette idée ? Tu te prends pour ma mère ? Et comment ils se parlent ? Du coup. Putain de gros chandelier. Pas de la merde, hein, comme on dit. Ah, elle a fait le tour, merde, j'avais l'argent. Où est-ce que tu vas ? Salut, mec. Mec. Ok, donc. C'est bon, la question c'est est-ce que j'ai l'objet pour déverrouiller le truc en bas ? On va aller checker ça. Genre ça. Ah non, il me faut des trucs que j'aurai plus tard. Viens ! Okay. Ramène ton cul ! Ok, bon allez, on va faire le tri et on va continuer. Il est 21h23, je pense que... Ouais, n'oublie pas qu'Arma fait rime avec jeu, étrange. Bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Bon déjà, je vais te vendre une vipère. Les richesses que tu as, eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque chose de ça. J'achète tout. J'ai quoi en... Ah, c'est l'œil de Mendez. Comme dans Village, on peut vendre les objets de certains personnages. Un œil artificiel méticuleusement fabriqué en céramique. Ok. Ça, on peut le vendre tel quel. Ça aussi. Voilà. Oui, il y a un bug. Regardez, il y a un bug. Il y a un bug sur les trucs à droite. Ok. On peut vendre quand tu veux. Bienvenue. Donc on va vendre le bracelet, on va vendre le sablier, on va vendre le flacon, la barre en or, ça et ça. Merci. De rien. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étrange. Alors, on va modifier ça et déjà. C'est ça pour voir. Voilà. Et en vrai, qu'est-ce qu'il a à vendre ? Le Blacktail, je sais pas s'il est bien. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère ? Ça pourrait te sauver la vie. 1.20, 1.20, 4.20, 1.40. Est-ce que ce sera tout ? Ah, il est mieux. Ah, il est mieux que le Punisher. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Étranger, oh, je suis prêt à payer une coquette somme pour ça. Voilà une arme à feu exemplaire, étranger. Pas la meilleure, certes, mais elle fera certainement un compagnon idéal. Il me semblait pas qu'il y avait mieux que le Spunisher. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose ? Ça t'épate, hein ?
Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Ah, j'ai bientôt la visée laser. On adore laser. Nos herbes, ça oui. Guérir un homme, tuer un homme, elles peuvent tout faire. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Oh, okay. Mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Attends, on a des choses à raconter, toi. Ok, on va crafter un peu, parce que là, c'est un peu le bordel. Non. Fabriquer, qu'est-ce qu'on peut faire? Je viens de sauver un Korogu, j'ai raté des trucs. Tu regardais pas? Bah, on a... T'as pas vu Wolverine? T'as pas vu... les petites énigmes qu'on vient de faire, là? Le Wolverine aveugle. Ah bah non. Bah pourquoi? C'était trop bien. T'as loupé un petit combat de boss qu'on a fait en 2-2, en vrai. Je vais pas faire de mission de pistolet parce que j'en ai pas besoin. Je pense que je vais faire ça. Je vais garder ça, mais en vrai... En vrai, comment on fait les carreaux? Voilà, c'est ça. On va faire des carreaux. On a aussi acheté une nouvelle arme du coup. Ça me fait bizarre de me séparer du plus méchant, mais pourquoi pas. Non, il était pas beau, mais c'est quand même c'est un ennemi majeur qu'on risque de revoir en tout cas. Alors on va sauvegarder. Sinon, on a fait des petits. On a fouillé un peu le château et ses arrières-salles. En gros, on a fait. Là, il y a la salle d'audience où on a vu Ramon. Tu as vu Ramon? Là, on a vu les cachots avec le monsieur. Là, on est revenu et. Et il y a juste ça que j'ai pas ouvert encore. Ramon Salazar. Ah, parce que du coup, t'as repris la manette, c'est pour ça. Ah merde, c'est pas par là qu'il faut passer. Faut monter. Moi, je trouve qu'elle nous manque là. Elle me manque la veste. Notre petite veste là. Du début du jeu là, elle me manque un peu. Sauver le Korogu carrément. Moi, les Korogu, dès que je les trouve, je leur envoie un. Bah, viens! Dès que les Korogu je les trouve, je leur balance un caillou sur la gueule. Allez! Ok. Méchant. Bon, c'est bon, ils font exprès de se cacher en plus. Salutations, Monsieur Kennedy. Êtes-vous enfin prêt à livrer la fibre? Putain, ça faisait longtemps. Je me suis permis d'organiser un petit divertissement rien que pour vous. Sans plus attendre, voici l'histoire du preux chevalier qui protège la princesse. On a débrouillé la grande porte. Ok. Ah, c'est une salle de sauvegarde encore. Il existe des parasites capables de contrôler leurs hôtes. Bien que ce soit un fait bien connu de la plupart des biologistes, on ne sait pas grand-chose sur la façon dont ces organismes opèrent. Voici une liste de plusieurs des parasites. Le Dicrocéolium.
Lorsque les larves de ce parasite migrent vers le ganglion nerveux sous œsophagien d'une fourmi, il altère son comportement. Quand la température baisse le soir, pendant les heures de pâturage, la fourmi infectée grimpe au sommet d'une plante et s'accroche à une feuille à l'aide de sa mandibule dans l'intention d'être mangée. Le glactosomum. Les larves de ce parasite se logent dans le cerveau de certains poissons, comme la céréole. Une fois infecté, l'animal remonte à la surface de l'eau où il nage jusqu'à se faire dévorer par des oiseaux marins. Le cochloridium. Les sporocystes de ce parasite se développent dans les tentacules oculaires de l'escargot et ils bougent comme des vers. Ah, ça, je connais ça. C'est pas boivard. Hein. Ils altèrent le comportement du gastéropode et le forcent à se déplacer vers le sommet d'une plante pour être vu des oiseaux. Une fois avalé par l'air volatile, le parasite termine sa métamorphose et passe au stade adulte. En fait, c'est ça. C'est que le but des parasites, souvent, c'est de contrôler un autre pour qu'il soit bouffé par un autre truc plus gros. Ça paraît débile, mais ça l'est pas tant que ça. Bon, on va sauvegarder, après tout, on nous propose. Et là, on joue encore une vingtaine de minutes et après on va s'arrêter. Il y a d'autres trucs à casser ou pas? Oh merde. Fais attention. Oh merde, je m'en rappelle. Divertissement. Suivant. Pousse-toi. Au devant. Ça va les Nazgûl là? Oh putain! Aïe! La touche pas, la touche pas! Oh merde. Putain. Qui me tire dessus? Désolé, j'ai glissé. J'ai glissé. Ils sont où les arbres à l'étrier là? Putain. J'arrive pas à voir où est le... Ils sont ici.
Oh merde. Merde. Ok. Attention les cieux. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ah ta mère. Pousse-toi. Ok. Ça devrait faire l'affaire. Faut qu'on remonte. C'est ici. Ok. Ah merde. Merde. Peut-être des munitions de fusil que je vais crafter finalement parce que je l'utilise pas mal, c'est plutôt efficace. Ça se montre plutôt efficace. T'es blessé ? Attends, on va me poser des questions comme ça. Ça va, merci. Ok. Encore tiré d'affaire.
Non, j'entends encore des bidules. On va pas crafter tout de suite. Non, on n'est pas encore tiré d'affaire, en effet. Voir qu'elle monte pour m'aider. Une plateforme cachée. C'est un peu too much, là, non, tu crois pas? Tu m'étonnes. Ça va aller. Ok. Je te couvre, n'arrête pas. Oh merde, je les ai pas vus. Je vais tirer dessus, je crois. Toi, tu me cherches, toi? T'es en train de me chercher, toi? Tourne là, cette manivelle, bordel de cul! Viens, go. Il a dit cul. Et c'est bon, ils ont un lien de famille avec Valdemort. Ouais, je pense aussi. Ouais. On va recrafter des munes de pistolet. Là, en gros, c'était un peu scripté dans le sens où, genre, les mobs mouraient avec deux coups de flingue alors que. C'est pas souvent le cas, souvent il faut deux coups de flingue, leur donner un coup de pied et re un coup de derrière, je pense. Là, il fallait tempo, comme on dit. Hop là. Ça va? Ouais. Et bah, tiens, on va finir là-dessus. Logiquement, j'ai ri. Pas trop loupé grand chose, juste des pesetas et de la ferraille. Osef. Ça vaut pas le coup que j'y retourne pour ça. Ah, munitions de fusil, ça c'est bien. Logiquement, on devrait tomber sur Louise dans pas longtemps.
Par ici. Ok. Il fait pas l'animation. D'habitude, Léon, il met sa main dans le dos après qu'il l'ait porté à chaque fois. Ouvre. Ouvre. Au papier d'identité. Ouvre. Merci. Luis. Luisera. Où es-tu, bambino? Bambino. Ça a l'air d'être ici. Ça va? Je crois. Et là, sa tête, elle explose. Au lieu de t'inquiéter pour elle, inquiète-toi plutôt pour toi. Pauvre petit agneau. Retiens-toi, mon enfant. Ashley. Elle est contrôlée par le Jnoun. Merde. Bute-la. Mais non, on va pas buter notre mission depuis le départ. Et ben voilà, parfait, on finit sur ce chapitre là. On va quand même regarder s'il y a une cinématique derrière. Et ben il y en a pas. Ah si. Vas-y. Condor 1 à Perchoir. C'est la merde. On s'est réfugié dans un château, mais j'ai été séparé des Glones. Perchoir, j'entends mal. Tu me reçois? Condor 1. Bon. Est en route. Et merde. Y'a rien qui va. Elle pue du fez, je la sens pas. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, écoutez, on va sauvegarder direct. Dure journée. Et on fera le tri la chaîne pro, comme on dit. Bah, c'était cool, on a bien avancé. On est dans le château, on a vu Ramon. Et là, on est séparé d'Ashley, mais vous allez voir, c'est tout à fait normal, entre guillemets. Bisous YouTube, abonne-toi, mets la cloche. À la prochaine.